Eh oui, c'est nous. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Redek. Salut Pierrot, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce troisième épisode de la deuxième saison du Arte Book Club. Comme vous le savez, chaque semaine, on vous donne un livre à lire pour la semaine d'après. Et puis, on en cause, voilà, tous les jeudis à 20h20. Et aujourd'hui, on va parler de Vie minuscule de Pierre Michon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça entre un peu en continuité avec le roman d'Assia Djebbar qu'on avait vu la semaine dernière, La femme sans sépulture, tout simplement, puisque c'est à nouveau un travail de l'auteur pour faire revivre avec une langue singulière la mémoire de personnes tout droit venues du passé. Bah oui, et effectivement, V minuscule, c'est la même chose, et aussi avec un jeu sur la langue qui est assez différent, mais qui a quand même le même objectif de faire un peu ressusciter les morts, quoi. Et cette langue-là, on va avoir l'occasion d'en parler pas mal, parce que elle a rendu ce livre archi connu, en fait. C'est que vraiment, d'un seul coup, en 1984, donc l'année de publication de ce livre, Pierre Michon, qui était le fils de paysan qui a passé toute son enfance, toute sa jeunesse dans la Creuse, eh bien, d'un coup, il est devenu connu dans toute la France et même dans le monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, en faisant nos recherches pour cet épisode, eh ben, on tombait régulièrement sur des gens qui disaient que ce livre avait vraiment complètement changé leur vie. Par exemple, on est tombé sur Marie-Hélène Lafon, qui est la nouvelle prix Renaudot de 2020, qui disait que vraiment ce livre avait tout changé. Il y a François-Henri Désérable aussi, qui a écrit un très beau livre, d'ailleurs, sur un personnage de Romain Gary. Donc voilà, un certain nombre de gens qui ont dit, non seulement des lecteurs, mais aussi des auteurs, Pierre Michon, vraiment, il y a eu un avant et un après, quoi. Mais alors, le fait est aussi que cette langue, c'est justement un travail un peu d'orfèvre et qui, du coup, rend le livre assez dense et parfois un peu dur à lire, quand même, reconnaissons-le. Oui, et à ce titre, il y a un Discord qui s'est mis en place, un groupe Discord, donc c'est un forum en fait, hein, qui s'intitule Arte Book Club, qui s'est mis en place complètement, pardon, indépendamment de notre volonté. On remercie beaucoup les personnes qui l'ont mis en place. Et n'hésitez pas à aller dessus. C'est un groupe qui permet aux différentes personnes qui suivent l'émission de pouvoir discuter entre elles en dehors du cadre de l'émission. Et donc là, ça a été l'occasion notamment de réfléchir autour de la difficulté du style de cet auteur qui est. Alors vous avez pu le voir, hein, si vous l'avez lu, c'est d'une extrême densité. Ouais, carrément. Et du coup, c'est pour ça que, en le sachant, eh ben, on vous a proposé non pas de lire tout le livre cette fois-ci, mais seulement trois nouvelles sur les huit. Donc la première qui s'intitule Le Vie d'André Dufourneau, la deuxième qui s'intitule Le Vie d'Antoine Péluchet, et la dernière qui s'appelle Vie de la petite morte. Déjà, sacré titre quand même. Parce que donc, Vie minuscule, effectivement, c'est un recueil de huit nouvelles qui retracent des vies qui ont croisé celles du narrateur. C'est huit vies qui ont nourri celui qui les raconte et qui, dès lors, vont un peu tracer en creux le propre portrait du narrateur. Alors, qui est André Dufourneau? Eh bien, c'est un garçon de ferme qui a été adopté à 10 ans par les arrière-grands-parents du narrateur et qui, à 18 ans, a fini par s'en aller pour connaître un destin plus vif à la recherche de la gloire et de son vrai père. On n'aura plus beaucoup de nouvelles et on apprendra qu'il est mort en Afrique. Dans la deuxième nouvelle, Antoine Péluchet, lui, c'est pas pour l'Afrique qu'il est parti, mais c'est pour l'Amérique. On raconte, en tout cas, dans le village natal, et il a quitté la vie de la ferme parce qu'il a été justement chassé par son père. Et il est parti essayer de vivre un peu ce qu'il attendait ailleurs. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. Quant à la petite morte, elle, eh ben, elle n'a pas eu le temps de dire ouf, elle est partie du monde directement. C'est pour, Un c'est pas résumé pour un peu l'Afrique, c'est hardcore, pas. mais ok. En tout cas, elle a été emportée par une maladie inconnue et elle a laissé le narrateur tout seul dans sa maison avec sa mère. D'emblée, donc, à travers ces vies minuscules, il y a des fissures qui se révèlent. C'est que ce sont essentiellement de disparus dont il est question, de l'absence d'hommes qui ne savent pas parler, de pères qui ne sont pas à la hauteur. Toutes ces nouvelles, comme je le disais, semblent tracer en creux le portrait du narrateur qui, lui, est justement un jeune écrivain qui a grandi au beau milieu de la Creuse, sans son père, et qui, en devenant écrivain et en n'ayant pas d'enfant, va mettre fin à sa lignée. Lui, du coup, qui est... Pardon, tu veux dire? Oui, non, mais oui, c'est d'ailleurs ça en fait. C'est que quand on voit sa vie, de fait, et c'est ce qu'il dit dans l'émission
où il parle comme ça du rapport entre son œuvre et sa vie dont tu parlais au début, c'est parce que sa vie était marquée par l'absence de son père qu'il y a eu cette sorte d'absence initiale qui a ensuite tracé toute son œuvre, quoi, qui marque et qui a engendré Vie minuscule. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, il dira que justement, l'écriture de ce roman l'a vraiment libéré un peu de ce non-dit, du fait de dire, vivre avec cette absence-là, je vais essayer de me retracer une famille avec ces 8 vies qui sont tous un peu des gens liés à l'un et à l'autre. Et sauf que du coup, toute cette généalogie, semi-inventée, semi-véritable, elle s'arrête à lui, qui est le descendant de générations de paysans qui ont tous grandi un peu dans les mêmes cantons, et lui, en fait, il s'est mis à l'écriture, quoi. Alors voilà déjà quelqu'un qui râne, qui dit « ça a été une lecture difficile pour moi, et j'ai trouvé que c'était un peu dommage, mais j'ai quand même apprécié le côté micro-histoire en tant que généalogiste amatrice. » Bah justement, de tout ça, on va pouvoir en parler, justement, parce que... Pardon, juste, BMINES, juste avant, dans un commentaire précédent, faisait part aussi de son désarroi un peu vis-à-vis de ce texte, en tout cas en disant qu'elle avait dû ressortir le petit Robert pour l'occasion. Et de fait, Oui. on le disait tout à l'heure, hein, oui, c'est un texte qui a une très grande, qui est très ardu. Et c'est pas pour rien qu'on vous a proposé de lire uniquement 3 nouvelles. Et pour nous aussi, vous inquiétez pas, pour nous aussi, ça a été, c'est une épreuve quand même, ce texte, même pour des lecteurs un peu, qui ont l'habitude, Bah. il y a quelque chose, il y a une difficulté, quoi. Il y a une difficulté, mais on va pouvoir en parler justement. Parce que je pense que le terme d'épreuve, peut-être, est un peu fort, ou en tout cas, justement, si jamais on donne un peu des clés qui permettent de rapprocher, l'entrée dans ce livre et la poursuite pour vous, si vous le voulez, des autres nouvelles de ce livre, sera peut-être un peu facilitée. Et notamment, on aura l'occasion de parler du fait que ces vies minuscules, ce sont presque en réalité des visions minuscules. C'est-à-dire que, en fait, ces micro-histoires sont des successions de tableaux, ou en définitive, il manquera toujours un personnage. On répétera tout à l'heure, on reparlera, pardon, tout à l'heure de cette Languedoc, justement, et par laquelle, moi qui vous parle, j'étais très ému. Mais du coup, voilà, je vous propose que cette introduction s'arrête là et qu'on accueille notre amie, la comédienne Vinora Epp, qui va pouvoir nous lire un extrait de ce livre et nous faire goûter un peu à cette saveur étonnante. Bonjour Vinora. Bonjour Vinora, Bonjour. Comment ça bienvenue. va? Merci, merci beaucoup. On est très content de t'avoir. Ben vas-y, on est très pressé de Vas-y, pouvoir lui oui. adresser la parole. Ben, aujourd'hui là, tu vas comme à chaque fois nous proposer une lecture d'un extrait d'un texte aujourd'hui. Quel extrait est-ce que tu vas nous lire? Alors, je vais vous lire un extrait qui se situe en plein milieu de la deuxième nouvelle, qui est La vie d'Antoine Pélicher. Et voilà, on va pouvoir le découvrir ensemble, mais peut-être avant, ce serait intéressant de vous raconter un petit peu l'expérience que j'ai faite moi en préparant cette lecture, enfin cet extrait. Carrément. Parce que bah, je suis déjà assez d'accord avec ce qui a été dit par rapport à la densité du livre. Moi, je suis encore en train de le lire, en fait, parce que je trouve ça super beau. Et puis, je me dis en même temps, j'ai du mal à suivre ce qui se passe, parce que c'est dense, voilà. Carrément. Et du coup, c'était très agréable justement pour moi de me focaliser juste sur un extrait et du coup pouvoir vraiment plonger, profiter de cette densité et d'explorer en tout cas juste dans cet extrait toute la richesse qu'il y a, ne serait-ce qu'en quelques pages, quoi. Voilà. D'accord. Génial. Et Et ben, tu voudrais nous le commencer à lire maintenant? Ou tu as complètement, en tout cas, encore autre l'introduire chose un à petit peu. ajouter? Non, peut-être la seule chose que j'ajouterais, c'est juste que moi, ce qui m'a marqué dans le livre, c'est le place du narrateur que Pierre Michon se donne, qui est pas. J'imagine que vous allez en continuer d'en parler tout à l'heure, mais en tout cas, moi, ça m'a frappé pour travailler sur l'extrait parce que. Dans cette langue très poétique, en fait, la poésie, elle est quand même dite par quelqu'un qui est le narrateur, qu'on sent bien, qui n'est pas un narrateur classique, un peu invisible et objectif et neutre et tout.
Là, il y a un petit jeu sur le narrateur où il est conscient qu'il est en train d'inventer une histoire, il s'amuse un peu dans ce rôle et tout, il le décale. Et c'est un peu ambigu, mais moi, ça m'a vraiment aidé à raccrocher aussi ancrer cette poésie dans quelque chose, plutôt que de la laisser flotter dans les airs, quoi. Et Je veux dire, dans ce jeu Louis entre Mas, le... Pardon. pardon, juste Louis Non, Mas il y a un petit parlait juste décalage. avant dessous du dans son commentaire de l'apport qu'avait eu ce livre pour la sociologie et de fait la conscience qu'a le narrateur de lui-même et de son regard qui va tisser tout au fil des nouvelles, et ben c'est quelque chose qui a vraiment nourri la démarche sociologique, ce truc de voilà d'où parles-tu, dis-moi d'où tu parles avant de parler, etc. Et vraiment cette conscience extrême. Elle est riche à la fois d'un point de vue ouais, esthétique, ça c'est sûr, et elle va être riche bah, après d'un point de vue scientifique pour tous les sociologues qui ont travaillé après, en tout cas. Ouais. Voilà, Carrément, je voulais oui, juste faire le effectivement. lien avec ce commentaire. Ah non, c'est intéressant, carrément. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui se passe juste avant le début de la lecture pour qu'on situe un Le peu? début de l'extrait? Ouais. Alors, en fait, donc c'est le début de la vie de Antoine Péluché, qui est paysan, qui travaille avec son père dans les champs. Et le début de la nouvelle décrit un peu leur vie de famille et leur vie deux hommes partir dans les champs tous les jours et tout ça. Et juste avant, on assiste à une naissance d'une sorte de haine du côté du père pour son fils, qui est pas vraiment situé. On s'est un peu présenté comme quelque chose un peu en sourdine qui existe dans les familles. Voilà. Là, on va voir sur quoi cette colère va, enfin, cette colère va éclater un soir, en Déboucher. gros. Voilà. D'accord. Et ça va changer Eh dans ben la vie d'Antoine Péluché. on te laisse nous lire ce passage et on reparlera après du commentaire de Inès, de BM Inès, qui parle en effet de ce rapport à la mémoire qui va être très important et on en parlera. C'est à toi, Vinora. Puis il y eut cette nuit terrible, et je ne doute pas que ce fût au printemps, en l'absence de lune, sous le charme pesant des foins et d'un ciel de rossignol. Les hommes, car Antoine aussi est un homme maintenant. Les hommes sont rentrés tard, les aisselles enfiévrées par le manche des faux, un soleil géant poussant leurs ombres longues qui s'entre-heurtent sur les cailloux mauvais du chemin. L'observateur fictif, épars avec le soir dans l'odeur du grand sureau face à la porte, les voit entrer. Même silhouette et casquette, ensuée, nuque mêmement brûlée. Vaguement mythologique, comme toujours le sont père et fils. Double temps se chevauchant dans l'espace ici-bas. Le père se ravise et vient pisser sous le sureau. Il a un regard terreux et semble mâcher quelque chose de noir. La porte se referme, la nuit patiente vient. La chandelle s'allume, on les voit tous les trois par la fenêtre penchés sur la soupe. La louche dans la main de Juliette va et vient. Un grand papillon effaré cogne aux vitres. Du vin coule, beaucoup de vin, dans le seul verre du père. Soudain, il regarde Antoine, visage d'encre dans la pénombre. Un peu de vent agite les ombelles peureuses du sureau. Elle se penche, effleure la vitre. De la chandelle, une flamme plus claire jaillit. Dans le regard dévoilé d'Antoine, cette morgue, cette dignité sans cause et exaspérée, indifférente. Alors dans la cuisine, on crie. Une grande ombre gesticulante bondit aux poutres, puis rampe. Des chaises heurtées croulent. Qui en vain tend l'oreille dans le sureau? Seul franchit les murs épais les roulements d'orage, de tambours. La rumeur insensée comme
des cailloux creux qu'on brasse qui fait sangloter les enfants et inquiète les chiens. La voix d'extravagance antique et désastreuse de la famille en son suprême état. Le père est debout, brandit quelque chose qu'il maudit et jette à terre, un verre plein, un livre peut-être, et le gros poing assène à la volée sur la table des vérités qu'on n'entend pas. Les seules vérités, les vérités niaises, terrifiées et hagardes, qui parlent d'aïeux, de morts vaines et de permanence du malheur. Et dans ce coin là-bas, corps pauvre tassé dans l'encoignure du buffet pauvre, ombre aspirant à plus d'ombre. Que fait la mère qui a renoncé à ramasser les misérables faïences brisées? Elle sanglote peut-être, ou se tait, ou prie. Elle sait quelque chose, elle est coupable. Enfin, la vieille arrogance patriarcale retrouve son vieux geste définitif. La droite du père se tend vers la porte. La chandelle fléchit, le fils est debout. La porte s'ouvre comme une dalle tombe. La lumière frappe le sureau qui tremble, doucement, interminablement. Antoine un instant s'encadre sur le seuil. Sombre dans le contre-jour. Et nul ne sait, sureau ni père ni mère, quels sont alors ses traits. Des rossignols là-haut élargissent la nuit, ébauchent les routes du monde. Que ses chemins moussus sous ses pieds soient d'airain, de fer sur sa tête ses cieux chantants. Il part. Il n'est plus d'ici. Merci beaucoup, Ginevra. Ouais, c'est trop beau. Non, c'est sublime. Ouais, franchement, et puis en plus, le lire à haute voix, c'est quand même sacrément une sacrée paire de manches. Mais c'est ça qui est super ouais. Avec ce livre, je trouve, c'est que ça a l'air très écrit, et pourtant, dès que c'est dit à l'oral, il y a vraiment un truc, enfin bref. On te retrouve à la fin, Ginevra, à la fin de l'émission. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À toutes. J'ai été quand même super surpris parce en voyant après une interview de Michon, c'est la même en fait dont on parle tout à l'heure à la Grande Librairie, qui dit cette chose étrange. Il dit moi je me serais suicidé, non je sais pas, je me serais suicidé, je serais devenu un assassin si j'avais pas écrit ce livre. À la base j'ai toujours cru que ma vie était finalement j'allais continuer dans mon alcoolisme et finalement finir par tuer toute ma famille, tout brûler. Et en fait ce livre est arrivé. Et c'est vrai que je trouve ça fou de se dire qu'on a ce livre entre les mains, on se dit oui ok c'est une expérience esthétique. Quand j'ai lu les premières pages, moi je me suis dit ah bah ça ressemble beaucoup à Flaubert. D'ailleurs c'est un peu ce que je vous ai dit à vous d'avoir en tête. Et de fait il y a un peu un côté très proustien même plutôt finalement après par la suite. Et donc on pourrait avoir un peu cette idée de se dire ouais c'est un jeu esthétique sans conséquence finalement. C'est un truc de cagneux qu'il a qui est en train de dire oh oui les figures de style voilà. Et en fait, il y a quelque chose de nécessaire. Non, mais je veux dire, je sais pas, quand on écoute, mais toi-même, tu le vois, Pierrot, quand on écoute ça, je trouve que ça fout les frissons, quoi. On se dit, ah ouais, il y a quelque chose de puissant. Et surtout, quand il dit derrière, ça m'a sauvé. Et que derrière, on a Madame Lafont, qui a eu prix Renaudot, qui dit, moi, ça a changé ma vie. Ouais, ça me fait un peu penser à une interview inspirante d'Ethan Hawke que j'ai vue il n'y a pas longtemps et qui dit ouais la poésie on fait les malins et tout mais sauf que le jour où ça va pas bah mine de rien il n'y a que ça qui nous sauve quoi. Et c'est vrai, je trouve que mine de rien c'est quelque chose qui est très en lien avec ce qu'on vit actuellement sur cette idée de la question de essentiel non essentiel, est-ce que la culture c'est essentiel pendant le confinement etc. Ouais si ça évite à des gens de massacrer toute leur famille enfin bon voilà, mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même c'est que ça nourrit c'est pas qu'un jeu esthétique. La poésie c'est un produit essentiel pour la famille de Pierre Michon en fait. Oui c'est ça. Oui carrément, mais je pense aussi parce que on a un rapport à la poésie où on a l'impression de savoir un peu à quoi ça correspond, c'est-à-dire c'est les sonnets de Hugo, c'est François Villon, c'est Louis Aragon, je ne sais pas quoi. Mais en fait, la poésie, avant tout, c'est, je pense, un soin dans le mot, dans le fait de dire, je vais chercher
à dire ce que j'ai sur le cœur sans que ça passe forcément par une narration, mais simplement par les mots. Est-ce que précisément le mot que je vais trouver va réussir à évoquer ce que je veux dire? Et on en parle souvent, mais il y a ce truc un peu de... Le rêve de tout le monde, en fait, c'est de pouvoir se comprendre sans avoir besoin de se parler. C'est un peu ça qui nous manque aussi dans la vie. C'est de se dire, on en fait des caisses, on en fait toujours des kilomètres, etc., pour essayer de faire en sorte que les autres vont nous comprendre et qu'on cessera d'être tout seul et que nous-mêmes, on les comprendra. Et du coup, il y a toujours ce rêve de dire, si c'est pas sans parler, alors au moins c'est en un mot ou en quelques mots. Et la poésie, c'est un peu ce désir de ramasser, si je peux dire, de faire le plus court possible, le plus simple possible, d'avoir besoin du moins de choses possible pour que les autres nous comprennent. Et je trouve que dans cet extrait-là qu'on a lu, qui fait enfin vraiment pas beaucoup de mots, enfin vraiment c'est 2 pages folio quoi. Il y a tellement de choses qui se passent, enfin c'est invraisemblable, on pourrait en parler des heures de ce truc-là. Je veux dire du fait qu'il s'imagine comme le sureau, c'est-à-dire lui le narrateur qui imagine être présent à cette scène à laquelle il n'a pas assisté, il Il imagine s'est être le d'ailleurs pissé sureau, dessus au c'est-à-dire un... début. Oui, mais c'est parce qu'il se fait pisser dessus qu'il voit que le père a les yeux terreux et qui semble mâcher quelque chose de noir. On ne sait pas ce que ça veut dire, mâcher quelque chose de noir. Pourtant, dire ça, on suppose, on sent qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Et du coup, c'est la seule fois où il voit en vrai ce qu'il y a dans les yeux du père. Puis le père rentre, et ensuite le sureau, il essaie de se pencher par la fenêtre. Il essaie de comprendre, mais il voit que des ombres. Il n'entend pas bien, seul franchit le mur épais, etc., des petites choses. Donc il y a quelque chose de très touchant, de présence un peu dans la nature. Il y a aussi qu'il n'y a pas d'action, et ça justement, on va pouvoir en parler, parce qu'on dit, on en parlera tout à l'heure, mais là, maintenant, parlons-en, de dire, ça se construit comme des tableaux. Il y a pas d'action, il y a très peu d'action à l'intérieur, il y a très peu de verbes d'action, il y a énormément de verbes d'état. Là, par exemple, on a eu dans cet extrait, le père est debout. C'est-à-dire, il n'y a pas le père se lève, il y a le père est debout. Et donc, vous avez l'impression que d'un coup, vous êtes passé à un autre tableau où le père est debout. Ensuite, pareil, Antoine est debout. Et donc, vous avez une autre vision. Et donc, c'est ça dont on peut parler et qui, moi, m'a frappé, c'est qu'il y a une sorte de désir un peu généalogique de dire, c'est drôle, il y a une forme de noblesse tant dans l'écriture de Michon que dans Ces vies qui ne comptent pas. Et quand on sait que la noblesse en Angleterre, c'est de ne pas parler, never complain, never explain, oui, il y a ce truc-là un peu de dire minimum de moyens et maximum d'effets, quoi. Oui, Et donc, après, je t'entends souper. là où je, non, 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 pas du tout. Mais c'est juste que là où je nuancerais quand même ce que tu dis, c'est que c'est une forme de poésie. Tu dis oui, la poésie, c'est-à-dire on a un minimum de mots, etc. Sur la définition de ce que c'est que la poésie, je Non. serais pas du tout aussi définitif que toi. C'est toute la poésie. Mais mais je dirais, il suffit de voir les kilomètres que nous pond Hugo à chaque fois, et c'est lui ce qui fait la force de sa poésie, je trouve. Et à mon avis, justement, il y aurait une erreur, à mon avis, et c'est quelque chose de très très moderne d'ailleurs. Ce truc-là de dire, c'est il faut absolument avoir une sorte de densité immense, etc. Et d'ailleurs, ça va avec aussi le fait de porter mettre sur un piédestal la figure de style, finalement. Cette espèce de travail de fourmi. Et par exemple, je dis, par exemple, par rapport à Michon, qui est un très grand lecteur de Hugo, bah, c'est pas du tout le même travail. Hugo, il va travailler pendant des, il va travailler ces métastructures, des espèces de gigantesques cathédrales de mots. Et alors, bah, oui, c'est sûr, parfois, il fait des vers qui sont pas forcément parfaits en eux-mêmes et qui sont pas une grande densité. Mais en revanche, ce qui est intéressant chez Hugo, c'est le déploiement de la structure. Et chez Michon, au contraire, revenons à Michon, mais voilà, chez Michon, au contraire, sa poésie va vers une structure qui se ramasse. Tu parlais tout à l'heure de petits tableaux, je suis absolument d'accord. Moi, ça m'a fait penser à une figure de style qui est assez connue en rhétorique, qui s'appelle Mon l'ekphrasis. père a disparu quand j'avais 2 ans, L'ekphrasis, figure-toi. à la base, Quand j'avais étymologiquement, 2 ans. c'est l'idée de mettre sous les yeux. C'est ce qu'on appelle aussi, quand on travaille dessus, on parle aussi d'hypotypose, mettre sous les yeux du lecteur quelque chose et tout de suite lui mettre comme ça devant le visage, à tel point que l'ekphrasis, c'est devenu finalement la description d'une œuvre d'art. Et il y a un peu ça, il y a un peu l'idée de dire que parfois on a l'impression de voir des tableaux. Et vraiment, c'est-à-dire que c'est comme si lui, d'abord, il avait peint le tableau et qu'après, il avait décrit sa peinture. Et dans ce moment-là, je trouve ça assez formidable. Le côté, il y a vraiment une dimension, comment est-ce qu'on dit, une sorte de théâtre d'ombre qui est absolument magistral. Ça me fait un peu penser à...
J'ai T'as un peu j'ai sauté, coupé. mais c'est pas grave. Non, non, je pense que la Ah, phrase était passionnante, mais tant pis, il y en aura d'autres. Non, mais voilà. Et ce théâtre d'ombre a pour objectif, ces tableaux ont pour objectif, et il y a eu plusieurs commentaires qui l'ont évoqué depuis le début, en effet, comme Assia Djebbar d'ailleurs, de faire revenir à la mémoire. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fou. Et c'est se dire, ça part d'un constat. Et ce constat, c'est dire, je suis fait de vies qui m'ont précédé. Je ne suis pas né de rien. C'est Hannah Arendt qui dit, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. C'est la malédiction de la modernité pour Hannah Arendt. Et bah, Pierre Michon, il dit, moi, je veux venir m'opposer à ça. Je veux venir constituer mon testament. C'est ça. Et il dit, mon testament, il est peut-être imaginaire, il est peut-être entièrement faux, il est factice, il est fait de briquet de broc, il est fait d'objets qui sont des mantras que je vais garder avec moi. Le petit pendentif, le poisson, là, bon, qui finit par être cassé, comme dans Les Malheurs de Sophie. Bref, il y a plein d'objets qui vont porter le passé, et je vais inventer des histoires autour de ces objets, en disant, je suis fait de ce passé. Moi, c'est ce que je trouve complètement fou dans ce bouquin. Carrément, carrément. Mais du coup, parce que on parle de tableaux, mais il y a effectivement des tableaux qui précis et d'autres tableaux qui viennent à l'esprit quand on lit ces vies minuscules. Il y a par exemple ce tableau du fils ingrat de Greuze qu'on a été chercher d'ailleurs et qu'on peut vous montrer maintenant, qui est justement qui représente un peu cette scène-là. Je ne sais pas si en régie vous l'avez. Ah oui, c'est ça. La malédiction du père, le fils ingrat de Jean-Baptiste Greuze, et dont il parle dans la vie d'André Dufourneau, en disant, voilà, il y a cette scène, on voit le père à gauche, et vraiment quelque chose de très figé, quoi. Enfin, c'est vraiment le milieu d'une action, on est en plein dans le 18e, quoi. Mais il y a aussi le tableau de Courbet, par exemple, de l'enterrement à Ornans, qu'on a aussi. Et si vous pouvez l'envoyer, d'ailleurs, c'est ça où on voit vraiment une scène de la vie Superbe. paysanne. Et ouais, c'est clair. Et voilà qu'un peu ce désir réaliste aussi qui est présent chez Michon, de peindre un peu une vie, c'est-à-dire la vie des gens, des paysans de la Creuse, quoi. Mais voilà, et en même temps aussi quelque chose de très impressionniste. On a aussi, ça nous a fait penser un peu au champ de blé sur les hauteurs d'Argenteuil d'Alfred Sisley, qu'on a. Alors, c'est plus bon, c'est pas un enterrement, alors non, mais on se comprend quand même. Il y a aussi les meules de Claude Monet. Et donc voilà, il y a vraiment la même chose que chez les impressionnistes, c'est de chercher à évoquer beaucoup plus de choses, de faire en sorte que ces meules. Parle non seulement de la façon dont le peintre les a vécues, c'est-à-dire que du coup elles ne soient pas exactement réalistes, que dans le trait ce soit un peu autre chose, que dans les couleurs ce ne soit pas forcément les bonnes, et en même temps que ça dise plus de ce qui se joue à cet endroit-là. Et je trouve que dans ces vies minuscules, il y a souvent ce rapport entre le peu, comme ils en parlent dans la vie d'Antoine Péluchet, au moment où il va partir, et il dit c'est parce qu'il a compris qu'il faut parfois tout abandonner pour tout posséder. Et donc voilà, et c'est souvent des gens qui effectivement ont été un peu dans la Creuse, mais ils rêvent que d'aller ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une interview aussi où il dit mais c'est pas du tout des humbles qui sont là, c'est que des gens qui veulent s'en sortir. Il y en a un qui veut partir en Afrique, et alors l'imaginaire de l'Afrique de cette époque-là, c'est quand même invraisemblable. Il y en a un autre qui veut partir en Amérique. Ben voilà, on a des images d'Afrique de cette époque-là. Enfin, c'est des choses qu'on voyait juste dans des livres d'images. Et donc, quand on est dans la Creuse, on se dit, mais partir là-bas, ça va être invraisemblable, quoi. Donc, il y a aussi une puissance du récit. Et ça, je pense que c'est ça que t'aurais envie d'évoquer. Je te sens frétiller. Mais. Non, non, pas du tout. Je frétillais en réfléchissant à autre chose. Toi, ça m'évoquait ça. Tu disais tout à l'heure, mais en fait, ces vies, elles sont pas minuscules, etc. Et de fait, Pierre Michon, il s'en défend de dire, oui, c'est pas seulement les plus humbles que j'ai voulu peindre. En fait, oui, peut-être que les vies sont minuscules, mais en tout cas, les histoires que ces vies se racontent sont énormes, en fait. Et il y a eu deux commentaires comme ça, dont Eden, qui revient d'ailleurs souvent dans nos lives. Donc, quelle joie de voir aussi, de Merci vous à toi. retrouver à chaque fois, de retrouver des commentaires à chaque fois voilà, des uns et des autres. Voilà, ce commentaire qui disait alors, le titre, qu'en penser, etc. Et c'est vrai que le titre, finalement, pourrait presque nous induire en erreur. Et je trouve, on a induit plus d'un en erreur dans l'idée de dire, ah oui, on s'intéresse aux petites gens, etc. Oui, si on veut, mais en même temps, c'est quand même des gens qui se sont rêvés des vies formidables, ou en tout cas qui ont par le simple récit
de leur ça par la simple force de leur récit. Je pense par exemple à Fieffier qui est cette ivrogne complètement géniale qui va aller inventer une histoire pour celui qui en fait est un peu devenu son ami. Hein. Enfin, qui est, voilà, il va lui dire non, t'inquiète pas, ton fils, il est en Amérique. Voilà. Et là-bas, il fait des choses formidables, etc. Et tous les soirs, lui-même, il se rachète un peu un orgueil en venant raconter. Ses histoires, et en même temps il sauve un peu son ami de la dépression en inventant aussi des histoires pour son fils, quoi. Complètement. Mais d'ailleurs c'est drôle parce que du coup il y a des gens pour qui il y a énormément de récits, c'est-à-dire Fieffier, tous les dimanches il est au bistrot en train de dire voilà, c'est l'Amérique avec tous ses il y a une chanson de Hatik, je ne sais pas si vous connaissez, Angela, où il dit ton corps me rappelle des souvenirs d'Amérique. Et il y a vraiment ce truc-là, un peu dans le terme Amérique, de l'oncle d'Amérique. Enfin, voilà. Mais du coup, il y a ça, et en même temps, il y a une parole un peu sur ce qui est important, qui n'existe pas, qui n'a pas lieu. Et c'est aussi ça, c'est que Pierre Michon, avec son livre, il y a vraiment un truc de dire je vais mettre du langage là où il y en a très peu eu. Et par exemple, un peu la disparition, puisque c'est que des gens qui en fait s'en vont, qui disparaissent. Pierre Michon, il parle beaucoup de la disparition de son père qui est parti quand il avait 2 ans, et voilà, et du fait de dire que c'est quelque chose dont on pouvait pas vraiment parler à l'époque, et que du coup lui il a eu un peu ce désir bouillant de raconter, quoi, de dire eh ben moi tous ces gens qui ont disparu je vais essayer de dire la vérité sur eux, et justement on a une archive à ce titre là sur cette impossibilité de la langue, interdit de penser vraiment. Qui est assez belle et qu'on va vous envoyer maintenant. Mon père a disparu quand j'avais deux ans. Donc le père, quelque chose d'évanescent, dont il ne faut pas trop parler, parce que ma mère, là-dessus, motus, mes grands-parents motus, le père, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est que ce père? Il était borgne, ce qui est extrêmement important. Et je l'ai su tôt qu'il était borgne. Parce que quand j'étais petit, on jouait au lance-pierre, comme ça. Et ma grand-mère disait, ne joue pas avec ça. Ma grand-mère maternelle. Elle dit, ton père a perdu un œil comme ça. J'étais petit, on ne parlait jamais de mon père, mais pour ça, on pouvait en parler. Je reviens au film Muscule, puisque c'est le premier, enfin c'est le plus important, parce qu'il m'a délivré de quelque chose. Mais j'ai pu penser la question du père, grâce aux vies minuscules. C'était un interdit de penser. Sacré truc, quand même. Ouais. On voit bien. Alors, on espère que vous avez été inspiré. Oui. Enfin, on espère que vous avez été inspiré. Nous, on n'a pas eu de... On n'a pas entendu le son de l'archive. Alors, on l'a choisi, donc on la connaît bien. Mais en tout cas, c'est superbe, je trouve, ce qui sort de ça, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment de la littérature comme libération, quoi. Et alors, pour continuer sur cette idée, eh bien, on a invité une personne qu'on aime beaucoup et que certainement vous allez beaucoup aimer aussi, et qui s'appelle Pauline Peyrade, et que nous allons accueillir tout de suite. Je vais vous présenter. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Merci d'être là avec nous, c'est trop chouette. Bah, trop bien. Alors Pauline, du coup, tu es autrice de théâtre, notamment d'une très belle pièce intitulée Princesse de Pierre, autour de la question, grosso modo, du harcèlement scolaire, et que j'avais pu voir, puisque c'était justement Vinora Epp qui avait joué dedans. Et à côté de ça, tu coaches aussi les jeunes auteurs et autrices dans une école supérieure de théâtre à Lyon, qui s'appelle l'ENSAT, et près de chez nous d'ailleurs. Et donc, à ce titre, on suppose bien que d'autrice à auteur, la langue de Pierre Michon ne t'a pas laissé indifférente. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta lecture? Et oui, je frétillais en vous écoutant, en lisant les commentaires, tout ça, j'ai réagi à tout un tas de choses. J'ai essayé d'être aussi dense et synthétique que Pierre Michon arrive à l'être dans ses nouvelles. Je suis pas sûre d'y parvenir. Oui, peut-être pour m'inscrire un petit peu aussi dans la lignée de ce qui a été déjà nommé. Moi, il y a vraiment, j'ai eu deux portes d'entrée dans le livre, à savoir la question de l'absence, dont vous avez déjà parlé, et la question de la mémoire. En cela, qu'elle est intimement liée à la question de l'écriture.
Bon, l'absence, enfin voilà, vous en avez parlé, la question du père absent et de finalement, moi j'ai vraiment l'impression que toutes ces autres disparitions, tous ces autres absents, tous ces autres départs étaient comme des détours ou des caisses de résonance à cette absence obsédante et impossible à résoudre qui est celle du père. Comme ça, elle se rejouait sans cesse, mais le nomme en disant, enfin, il se projette comme ça, notamment dans Antoine Péluchet, on a l'impression d'un double comme ça, ce qui vient faire surgir du passé. Oui. Mais l'autre, ouais. Non, c'est pas l'autre. Ah, si, tu nous entends Si bien? tu voulais dire quelque chose, pardon, j'ai cru que tu voulais dire quelque chose. Non, j'approuve, bah, je sais pas, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai pas envie de te couper la parole. Merci. Et l'autre motif, du coup, puis qui est arrivé dans les commentaires aussi, la question de la mémoire. Moi, je suis assez d'accord avec la référence à Proust dont vous avez parlé. Enfin, Flaubert pour la langue aussi, parce que comme vous l'avez aussi évoqué, moi j'ai pensé au gueuloir de Flaubert qui hurlait ses textes pour se les entendre et pour les terminer. Et c'est vrai que les minuscules, dès qu'on les passe à voix haute, il y a quelque chose qui s'éclaire, enfin, qui est comme quelque chose qui s'ouvre, qui se révèle beaucoup plus facilement que finalement qu'à la lecture silencieuse. Mais Oui, c'est clair. moi, Proust a vraiment été un peu mon fil d'Ariane dans la lecture des Vies minuscules pour le rapport entre la question de la mémoire et la question de l'écriture. Il y a Gérard Genette, qui enfin, c'est un théoricien célèbre de la littérature du XXe siècle. Il a enfin, tenté, enfin, c'est une sorte de provocation un peu amusante, il a proposé de résumer La recherche du temps perdu à La recherche du temps perdu, donc il fait des milliers de pages, de la résumer en trois mots, en une phrase de trois mots, qui est Marcel devient écrivain. Et c'est comme si toute la recherche finalement venait raconter cette initiation enfin, à la langue et à la littérature. Et moi, vraiment, d'une nouvelle à l'autre, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. En lisant Pierre Michon, parce qu'il en parle, enfin déjà il le nomme hein, assez clairement, notamment sur la question, enfin, pour revenir très rapidement sur la question du pictural, des images, des miniatures, comme ça, de la peinture, il nomme comme ça dans le texte, il parle du père dans l'église, dans la deuxième nouvelle, je crois, il dit qu'il est magnifique, total et solitaire. Telle l'image arrêtée. On a presque l'impression qu'il désigne son projet littéraire dans le texte lui-même. Et par rapport à la mémoire, je fais beaucoup de digressions, excusez-moi, j'y arrive. Non, non, mais prends le temps, c'est le lieu. Bah J'ai pris oui. le temps. Par rapport à la question de la mémoire, bah c'est le deuxième extrait que je vous avais envoyé, je crois que la régie là, je ne vais pas me risquer comme Vinora à essayer de vous le lire à haute voix parce que je n'ai pas ces talents de comédienne, mais il parle vraiment de l'écrivain dans ce passage comme d'un explorateur de mémoire, je trouve le terme bibliothèque mémorieuse très très beau, et finalement il dit que partir explorer l'Afrique, comme le fait André Dufourneau, ou partir explorer la mémoire, finalement, c'est un seul et enfin, ce sont des gestes qui se ressemblent, qui exposent au même danger aussi. Et il dit plus loin, enfin beaucoup plus loin dans le livre, puisque c'est dans la dernière nouvelle, La vie de la petite morte. Il dit que, enfin, il y a un paragraphe comme ça qui se termine en disant je découvrais qu'on se souvient. Et cette découverte en fait de ce qu'est la mémoire vient presque d'un choc en fait entre la découverte du vertige que propose, enfin, que génèrent les choses du passé d'une part et la déficience des mots d'autre part. Et c'est comme si d'un seul coup il posait deux pôles comme ça, donc le passé si riche, si mouvant, si insaisissable et si vertigineux. Et face à lui, la langue, les mots qui échouent sans cesse, qui se dérobent sans cesse. Vas-y, pardon. Et non, mais juste pour abonder dans ton sens, c'est pas pour rien si tout à l'heure Pierrot parlait d'impressionnisme, et à mon avis, ça fait complètement sens en fait. Et d'ailleurs, dans les commentaires, c'est quelque chose qui était relevé. En effet, c'est des tableaux qui fonctionnent très bien quand on parle de Pierre Michon, parce que justement, il y a un peu cette idée que dans l'impressionnisme, presque les couleurs, comment dire, les formes ne suffisent plus. Finalement, on abandonne les formes et on fait confiance à la couleur, puisque finalement, quand le trait ne suffit plus, il reste plus que sa matière première, quoi, la couleur,
pour venir un peu venir tisser ce qu'il y a entre le passé et nous, c'est-à-dire la mémoire. Et je trouve que cet échec de la parole qui finalement vient devenir quelque chose de très puissant, très dense, à savoir ces petits tableaux, quoi. Ouais, bref, c'est juste ça. Je me disais juste que Proust, en effet, c'est pas pour rien si Proust, on a pu en parler comme un auteur impressionniste. Et si là, ça marche extrêmement bien pour Pierre Michon, quoi. Oui, puis c'est un commentaire de Mike Bell, pardon si j'écorche vos noms, mais qui citait cette phrase où il disait une phrase de Pierre Michon qui disait si pour le paraphraser très mal, hein, si tout le texte n'est pas si tout le livre n'est pas contenu dans la phrase, alors la phrase n'est pas bonne. Et c'est une très très belle façon de nommer la densité de cette langue. Il a dans une autre archive, qui est un entretien qu'il a fait avec Arnaud Laporte de France Culture il y a 3-4 ans, il disait en plaisantant qu'il était un écrivain avare, avaricieux, en s'opposant à Faulkner, en l'occurrence, dont il parlait comme d'un écrivain fleuve, comme ça, beaucoup plus ample. Et il disait que chez lui, le geste est beaucoup plus resserré, beaucoup plus ramassé, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il traque le passé, mais tout en étant aussi malicieux et ambigu là-dessus, parce que le texte est truffé de phrases contradictoires qui dit d'un côté il dit je n'invente rien et de l'autre je vais vous parler d'une nuit que personne n'a vue ou disons une fois de plus que ce que je vais dire est vrai, en jouant comme ça beaucoup sur le pacte entre l'auteur et le lecteur pour dire voilà est-ce que tu me crois, est-ce que tu me crois pas, et finalement c'est dans cet entre-deux que peut exister la littérature et que la nécessité, en tout cas que la poésie, enfin, ce dont vous parliez tout à l'heure, est possible. Enfin, par rapport à ces deux pôles-là, de l'action de la langue ou de l'action du passé, de cette mise en tension des deux, on a vraiment le sentiment d'une brèche qui s'ouvre et que l'écriture vient s'engouffrer dedans avec la même obsession que vous parliez des impressionnistes, que Monet qui veut saisir la vérité de la lumière et qui s'acharne et qui s'acharne et qui s'acharne et qui recommence et qui fait des dizaines de cathédrales et qui retourne sans arrêt sur les mêmes motifs. Là, il peint sur le motif, Pierre Michon aussi, dans ses vies minuscules. Mais par rapport à ce que je Complètement. voulais quand même parler rapidement de la quatrième nouvelle, qui pour moi à cet endroit-là est vraiment hyper éclairante. La quatrième nouvelle, c'est la vie des frères Bacrout, qui étaient deux camarades de pensionnat, enfin d'internat plutôt, du jeune narrateur. Donc il y a deux frères, Roland et Rémi. Roland est l'aîné et Rémi le plus jeune. Et Roland est totalement tourné du côté des livres. Il s'en tiche d'un vieux professeur qui le fait lire. Donc il n'appartient même pas tout à fait à sa génération. Et Rémi, c'est tout le contraire. Il est du côté de la vie, de la séduction, du monde, des plaisirs terrestres, tout ça. Et dans cette nouvelle, le narrateur dit qu'à l'époque où il a rencontré ce duo, il hésitait encore entre les passés simples et le présent. Et je trouve très beau cette manière de dire comment habiter le monde en écrivain, en disant est-ce qu'il s'agit d'habiter le monde dans le passé, dans les passés simples, donc dans les passés de la langue, ou dans le présent. Et finalement, dans la nouvelle, le plus jeune frère, donc celui du monde, le terrestre, finit par mourir et c'est l'homme du passé simple, Roland, qui se retrouve seul face au monde, quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec ça dans le fait de dire complètement que habiter en écrivain, c'est aussi avoir un rapport différent à la langue que les non-écrivains, si je puis dire, les écrivains et les écrivaines, évidemment, qui est de dire que j'ai trouvé, moi, vraiment, que chez Pierre Michon, il y a comment dire, une attention, une avarice de la langue, parce qu'il y a le désir de vraiment de trouver le mot juste. On en a déjà parlé un peu à propos d'Assia Djebbar, mais il y a vraiment cette idée un peu dans les croyances antiques que la parole, en fait, si elle est bien maniée, elle peut entrer en contact avec le monde invisible. Et c'est là où on retrouve un peu les impressionnistes dans le fait de dire que les impressionnistes, ils pensent que le réalisme ne montre pas tout ce qu'il y a à voir. Il montre que le monde visible, mais le monde invisible, c'est quelque chose qui est tout aussi présent,
dans ce rapport à la langue, par exemple, il y a cette idée que à la création du monde, dans le livre de la Genèse, eh bien Dieu, il ne crée pas avec une baguette magique ou en claquant des doigts, mais il crée en parlant. Il dit que la lumière soit, et donc la lumière est. Il y a aussi cette idée de dire la bénédiction. La bénédiction, c'est benedicere, c'est le fait de bien prononcer, quoi. Vraiment de dire que si les mots sont bien mis ensemble, si la parole juste est trouvée, et ben même la scène à laquelle je n'ai pas assisté, en fait, elle sera vraie. Elle existera pour de vrai. Mais c'est juste qu'il y a un extrait dans lequel Pierre Michon parle de ça, et qui est l'extrait numéro 4, s'il peut être affiché, mais qui est justement à la fin de la vie de la petite morte. Et dans laquelle, je trouve, Pierre Michon révèle un peu ça. À la toute fin du livre, il révèle un peu ses inquiétudes d'écrivain aussi. Et il dit « La tombe de Châtelu est pleine. La dalle moussue ne s'ouvrira plus sur le jour qu'au jugement dernier. Et je veux croire que Élise, la grand-mère, jeune et sans bosse, en sortira, une fille nouveau-née entre ses bras. À la même heure, peut-être à Saint-Gousseau, me levant rajeuni d'entre les palades, les péluchets et d'autres spectres anonymes, je saurai comment de mon vivant j'aurais dû écrire. » Pour que, à travers l'emphase qu'en vain je déploie, l'emphase c'est le too much, quoi, c'est une sorte d'éloquence un peu trop, quoi, un peu de vrai vienne au jour. Et en fait, si un peu de vrai vient au jour, eh ben, ce qui va se passer, c'est que les morts vont revenir à la vie, ou en tout cas, ils seront là, ils nous écoutent et ils nous peuplent. Et moi, ça m'a beaucoup touché, ça. Ben oui, et moi, ça m'a fait penser à la. C'est dans la dernière où il y a Élise qui tente de conjurer le mal en dans la deuxième. Non, c'est dans la dernière. C'est dans la dernière. Il y a ce rapport à la parole magique qui fascine complètement Pierre Michon, hein, l'idée que voilà potentiellement la parole pourrait donner vie. Redonner la vie et avoir une dimension, tu l'as dit tout à l'heure Pierrot, mais le terme un peu technique, on va dire c'est performative. C'est voilà la parole qui permet d'agir. Et il y a cette folie, en tout cas, il s'est présenté comme une folie quand ça parle d'Élise. Il aborde ça d'un point de vue un tout petit peu ironique. En fait, il dit même elle y croit pas trop, mais elle le fait quand même. Et finalement, elle nous a pas transmis tout ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. Et il y croit pas trop. Et pourtant, lui, c'est ce qu'il va essayer de faire. Mais j'ai l'impression que la différence entre je sais pas, c'est un peu ma théorie, si je puis dire, c'est que j'ai pas l'impression que la différence entre la parole d'Élise et la parole de Pierre Michon, c'est que Pierre Michon, que Élise croit en une parole magique, alors que Pierre Michon croit plutôt en une sorte de parole de la grâce, dans le sens où il y a cette idée que lui, il travaille, et que après, peut-être que du vrai en survient, mais en tout cas, ça vient pas de son travail acharné et de sa propre force, c'est quelque chose qui vient un peu en surplus, quoi. Et j'ai un peu l'impression que, pourquoi je parle de ça? C'est parce que j'ai l'impression que dans cet aveu d'échec d'emblée, on a parlé d'impressionnisme, etc., et donc d'échec de la forme, il y a quand même on se rend compte que la magie, c'est pas possible, en fait, et que finalement, c'est quelque chose qui peut seulement venir en plus des mots. Et finalement, c'est peut-être ça. Je parlais tout à l'heure de l'interview d'Ethan Hawke. J'y reviens. Mais un peu ça, l'idée de dire que la poésie, c'est ce qui reste quand toute la forme a disparu. En l'occurrence, la forme de nos vies. Et Pierre Michon, au moment où il se met à écrire, il se rend compte que sa vie est dans un état de destruction complètement avancée. Et donc, la forme qu'il va essayer de rétablir à travers les mots, c'est-à-dire les mots viennent pas seulement être un espace de communication, mais un espace d'architecture. Il va essayer de réétablir quelque chose et de redonner une forme à ce qu'il n'en a plus du tout. Et en l'occurrence, lui-même, à travers... le passé, à travers les choses du passé. Il va reprendre les briques du passé pour redonner une forme à ce qu'il est. En tout cas, c'est une question passionnante. Ce premier constat d'échec de la langue dans le monde des vivants, dans les relations entre les êtres, tout ça, dans la vie, disons, à atteindre le vrai qui fonde le geste d'écriture, est-ce que ça serait bon? Je pense que là, on ouvre un champ de discussion très vaste et les écrivains, les écrivaines y répondraient différemment. Mais j'ai l'impression que dans le rapport à la langue, en tout cas dans le geste d'écriture, il y a toujours cette... et on la sent très très forte, très 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 fort dans cette hypermaîtrise des vies minuscules, cette
un petit peu à la fois cette hyper-attention, cette extrême délicatesse d'orfèvre que vous avez nommée au début, et quand même une puissance, un acharnement à faire un peu rendre gorge ou rendre vrai à la langue, à l'image, au souvenir, quoi. Mais c'est parce que, peut-être que c'est parce que ce que tu disais au début, Pierrot, c'est peut-être qu'au début, parce que c'est l'échec est sans arrêt renouvelé, que le geste poétique est sans arrêt nécessaire. Bah, en fait, je pense que c'est ça, c'est dans la nécessité que se loge, à mon avis, la chose principale que j'aimerais dire. Mais c'est que, est-ce que, pardon, est-ce que ce n'est pas une façon de se. Le mec dit, il y a un truc important que je veux dire, et il s'arrête pour lire le commentaire. Est-ce que ce n'est pas une façon de se dire qu'il n'y a pas d'inspiration à l'échec de la grâce? Peut-être, je pense que, en tout cas, Pierre Michon, lui, il parle plus d'écrire en somnambule, quoi. De pas réfléchir à ce qu'il est en train de faire et d'y aller et de voir a posteriori s'il y a quelque chose ou pas. Mais c'est de dire que pour lui, c'est nécessaire de faire ça. C'est-à-dire que quand on lit ce livre, quand on démarre ce livre, on peut se dire, oula, le mec, il se la touche un peu quand même en faisant l'écrivain hyper compliqué. Enfin, je veux dire, on n'a pas le temps à En consacrer à une utilisant notion. le mot impavide au lieu de impassible, alors que ça veut dire la même chose et que personne ne sait ce que ça veut dire impavide. Bah, par exemple, mais il y a des tas de situations comme ça où on se dit, oui, Vie minuscule, c'est un livre qui devient de mieux en mieux plus on le lit. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est que vraiment, on se dit, mais le même passage, plus je le lis, et là, le passage de Vinora, comme je l'avais déjà entendu, comment dire, travailler plein de fois, eh ben, je le reçois en entier, et je sais que plus j'y reviendrai, plus je relirai, mieux ce sera. Mais c'est de dire que, pour lui, en tant qu'écrivain, c'était nécessaire d'écrire ça. C'est pas du jeu, c'est pas un type qui justement se plaît un peu rien à faire. C'est que ça a été nécessaire d'écrire ça, à la fois pour constituer une généalogie un peu au-dessus, aussi pour, encore une fois, éviter de commettre un meurtre, et enfin pour faire revenir tous ces gens qui ont disparu et qui l'ont laissé tout seul, lui. Et ouais, je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là, voilà, d'importance cruciale de la littérature, non seulement pour Pierre Michon, mais je trouve pour nous qui, en lisant ça, nous disons, mais en fait, ça peut être ça, la langue française, quoi. Et pour des tas d'auteurs et des tas de lecteurs, encore une fois, il y a un avant et un après Pierre Michon. Voilà. Entièrement, je rejoins totalement ce sentiment en tant que lectrice, de toute façon, il y a un avant et un après, mais je pensais à ce que Vinora disait tout à l'heure aussi de. On sent le narrateur aussi derrière la langue, on sent le corps, une physicalité derrière la langue. Et la langue elle-même est extrêmement matérée, enfin, je trouve extrêmement concrète. Enfin, elle est très, très touffue, très dense, mais elle est très texturée. C'est vraiment c'est une matière, en fait. Et à la fin, dans la dernière nouvelle, il parle de jeter des lignes, mais presque comme on jetterait de la terre sur un cercueil. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça dans ce rapport matériel. Quand tu parlais de l'incarnation du verbe, enfin, du devenir matière du mot, là, la langue, elle est tellement dense qu'elle devient matière, en fait, dans le geste d'écriture lui-même. Franchement, Et oui. ben Mais, pardon, mais non, mais je sais que le temps file et effectivement, on est toujours trop peu, mais c'est simplement que il y a quelque chose, comme tu dis, de très concret. C'était juste un élément dont on n'a pas encore pu parler, mais si vous me donnez juste 2 minutes, c'est que, vous savez, au début de Antoine Péluchet, il y a description de la statue de Saint-Goussot. Et donc là, vraiment, alors on a un tableau. Ouais, on s'en souvient. Hey. Les jeunes d'entre vous, peut-être oubliés, mais les vieux s'en rappellent. C'est que il y a description un peu du clocher de l'église de Saint-Goussot. Après, on passe au portail, et après, on passe au moine, le moine de Saint-Goussot, quoi, et avec un petit bœuf, vous savez. Et puis, il y a des. Ah, bah, Oh, ils ont un peu Oui, donc raté mon elle existe effet. vraiment, Ils cette ont montré la statue. photo déjà. Oui! Elle existe, mais c'est de dire que le Pierre Michon, il décrit tout ça, et il le décrit, il montre aussi un peu le père avec l'enfant et qui bat un briquet, et donc là, on a vraiment un truc un peu, un éclairage vraiment très très réussi, qui rappelle un peu Georges de Latour, vous savez, ce peintre du XVIIe qui peignait souvent des bougies un peu dans ses tableaux, quoi. Et voilà, et donc il montre un peu, il parle des aiguilles que tous les paysannes plantent dedans, les jeunes pour espérer trouver un mari, les plus vieilles pour avoir des enfants, etc. Et donc la façon dont il le décrit, on se dit, c'est trop beau, quoi.
Et là, justement, on a trouvé la photo sur Wikipédia qui vous était montrée. Et en fait, c'est un peu dégueu. Enfin, je sais pas, c'est une sorte de toute petite statue un peu moche. En fait, Mais le il taureau, le c'est dit, un hein. Mais il le dit, tout. Ouais. il le dit dans le texte que la statue est un petit peu ridicule, hein, je crois. Et ce qui est Oui. bizarre, c'est qu'en revanche, la matérialité du texte fait qu'elle nous apparaît, en tout cas, dans une sorte de densité. Elle est présente, quoi. Il y a une présence alors Oui. qu'on trouve pas là dans la photo, en tout cas. Ben non, c'est justement ça, c'est de dire encore une fois, la photo, ça a été vécu au 19e comme une déperdition, c'est un retour du réalisme par rapport aux tableaux. Et les tableaux qui justement vont réussir à montrer ce qu'on ne voit pas forcément. Et c'est ça, je trouve, qui m'a beaucoup touché aussi chez Pierre Michon, ce truc de dire, en voyant juste une statue comme celle-là, qui est minuscule, où on a l'impression que c'est un porte-truc de couturière, quoi, les aiguilles, c'est pas du tout un langage de femme qui espère, quoi. Et ben, j'ai trouvé que voilà, il arrivait à nous montrer, à montrer plus que ce qu'on voit. Et ça, je trouve que dans la vie, c'est quelque chose de beau. Voilà. C'est vrai. Et c'est sur ces bonnes paroles que nous allons dire au revoir à Pauline et bonjour à Vinora. Au revoir Pauline, en tout cas, c'était un plaisir Revoir. de Merci t'avoir. d'avoir été avec nous. Et c'était un plaisir d'avoir ta parole d'autrice. Plaisir. Bon. Et bien on peut accueillir Vinora alors à nouveau. Vinora, bonjour, Bonjour. rebonjour. Alors, Vinora, tu vas nous lire un extrait du prochain livre. Vous l'avez peut-être vu, on l'a annoncé un peu à droite à gauche. Ça va être Harry Potter 1. Et oui, pour Noël, on s'était dit. Alors, ce sera en revanche cette fois mardi prochain. Et non pas jeudi, puisque jeudi prochain, c'est Noël. Et donc, nous allons éviter de faire quelque chose le soir de Noël. Donc, retombons un peu en enfance. Et voilà, Vinora va nous lire la première. La première page de Harry Potter pour vous redonner un peu envie de le relire. Je vous invite surtout juste à faire attention dans votre lecture à toutes les questions que vous allez pouvoir voir autour du rapport à l'anormalité, au farfelu et aussi à la question de l'énigme. Voilà. Parce que c'est des choses dont on va parler la semaine prochaine et donc mardi prochain donc. Et donc Vinora, bah, nous t'écoutons. Alors, Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 1, le survivant. Mr. et Mrs. Dursley, qui habitaient au 4 Privet Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes. Mr. Dursley dirigeait la Grunnings, une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand et massif, qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Mrs. Dursley, quant à elle, était mince et blonde et disposait d'un cou 2 fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Les Dursley avaient aussi un petit garçon prénommé Dudley, et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un secret, dont ils craignaient plus que tout qu'on le découvre un jour. Si jamais quiconque venait à entendre parler des Potter, ils étaient convaincus qu'ils ne s'en remettraient pas. Mrs. Potter était la sœur de Mrs. Dursley, mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années. En fait, Mrs. Dursley faisait comme si elle était fille unique, car sa sœur et son bon à rien de mari étaient aussi éloignés que possible de tout ce qui faisait un Dursley. Les Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient les voisins si par malheur les Potter se montraient dans la rue. Ils savaient que les Potter, eux aussi, avaient un petit garçon. Mais ils ne l'avaient jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les Potter à distance. Il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là. Génial, quel plaisir de Bon, on va bien réentendre ce rigoler. texte.
Et je me permets de vous faire savoir un truc, pardon, c'est juste qu'il y a une nouvelle édition assez collector, assez incroyable, avec des tas de... Vous allez croire qu'on a été payé pour ça, mais pas du tout, c'est juste que c'est vraiment beau et c'est vraiment du bel ouvrage, avec plein d'images, plein de trucs en plus, etc. Bon, ça coûte un peu cher, mais si jamais vous voulez vous faire un cadeau de Noël, et puis en plus, je pense que ça permettra un peu de discuter de ce truc-là, de dire, pour ceux qui ont lu ce livre quand ils étaient jeunes, qu'est-ce que ça fait d'y revenir des années plus tard, et quel est le rapport un peu à cette seconde lecture d'adultes et au fait de savoir qu'on va pouvoir en discuter tous ensemble. Voilà. Mardi prochain, donc. Eh bien, 20h20, au toujours la revoir, même heure. Léonora. Oui, Exactement. salut Ouais. Léonora. Au revoir, Léonora. Au revoir, Salut Pierrot. Rodrigo. Et puis, au revoir à tous. Au revoir, merci d'avoir été là. À bientôt.